Le tirage au sort vient de tomber. Est-ce que tu l'as regardé? Tu as répondu que non en fait à ceux qui t'interrogeaient. Non, j'ai dit j'y portais pas trop attention. Après je l'ai vu le tirage, j'ai vu que je prenais le coréen. Bon, il y a mieux comme tirage parce qu'on sait jamais trop à quel niveau ils ont les coréens quand ils sortent la première fois. Et c'est quand même des pays où les gens s'entraînent bien et beaucoup, donc il faudrait être attentif. Mais bon, je vais me concentrer sur ce qui est essentiel, mes déplacements, sur les mains et sur mes attaques, et voilà, ça suffira. C'est comme ça que tu abordes un championnat? Ouais, je me concentre sur ce qui est essentiel, quoi. J'essaie de pas trop tergiverser et de rester sur des choses assez concrètes, ou en tout cas le jour de la compète. Avant, j'essaie un peu de faire monter un peu la... De me mettre dans un état un peu où je suis prêt à aller combattre, et une fois que je suis sur le tapis, juste avant, j'essaie de me concentrer sur des choses essentielles. Comment tu te sens en fait là? Là actuellement plutôt bien. Voilà, il n'y a rien à dire. La prépa s'est relativement bien passée. Sur le problème au coude, je fais un peu moins moroter, mais mes séries sont très bien en place. Et non, je suis prêt. Des choses nouvelles? Justement, je travaillais mon roté, je me suis fait mal au cou, donc j'ai un peu arrêté de le faire, donc c'était un peu la nouveauté, c'est ce que j'avais réussi à commencer à mettre en Europe dans les premiers tours. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres trucs en place, et oui, il y a des choses nouvelles, j'ai préparé quelques petits trucs. Billy, tu as quelque chose pour le, ouais, pour le garçon? On verra. je pense. Voilà. J'espère renverser la tendance parce que c'est vrai que cette saison il a carrément dominé la KT et j'espère que voilà, sur le championnat du monde, c'est l'occasion justement de faire basculer les choses au bon moment. Donc. C'est lui l'adversaire ou? Non, l'adversaire c'est d'abord le premier tour, ensuite le second et chaque tour un tour après l'autre. Et puis voilà, il faut déjà qu'on se prenne en finale. Et on s'est rencontrés déjà, je crois, 2-3 fois. C'est beaucoup dans une saison. Parfois, après, on peut pas se rencontrer pendant un an. C'est comme ça le judo. Donc, ma compétition, c'est mon championnat du monde. Et après, si je le prends un moment, voilà, j'ai préparé des trucs.